Bâti Express. Bonjour, je suis Jean-Luc Artaud, je travaille au service bâtiment à l'ADEME, l'Agence de la Transition Écologique. Les professionnels n'ont pas attendu l'émergence du marché de la rénovation pour se préparer, mais il y a encore effectivement du travail. Et donc l'ADEME accompagne cette montée en compétences des professionnels. Alors depuis une dizaine d'années, l'ADEME a contribué à l'émergence du dispositif RGE pour aider la montée en compétences des professionnels. On compte aujourd'hui 64 000 entreprises qui détiennent 180 000 mentions RGE. Donc c'est un dispositif qui est bien installé, mais qui a encore besoin de se développer. Et puis je dirais deuxième axe de travail, la formation des professionnels. Il y a un gros dispositif de formation qui existe, qui est le programme FIBAT, que l'on accompagne aussi depuis de nombreuses années, depuis 2017. Là, ça concerne la formation initiale et la formation continue des professionnels de travaux, mais aussi des architectes. Donc voilà, un beau programme de formation pour la profession et toute la filière. Le programme FIBAT s'adresse aux compagnons futurs, c'est-à-dire en formation initiale pour les jeunes qui sont dans les lycées professionnels ou dans les centres de formation d'apprentis. Mais il y a aussi un axe formation continue. Et là, pour l'instant, on a plutôt formé les responsables, l'encadrement de chantier, des référents techniques. Mais il y a aussi des formations qui sont prévues à venir pour les compagnons aux gestes de travaux. Donc c'est encore en construction, mais ça avance. Et puis par ailleurs, il y a beaucoup d'initiatives sur toute la France, ici ou là, de formation sur chantier ou sur plateau technique, comme par exemple dans les Hauts-de-France avec les formations intégrées au travail qui marchent très très bien. Il y a énormément de ressources à disposition des entreprises qui veulent s'intéresser au marché de la rénovation. On peut citer la plateforme de nos collègues de l'agence qualité construction qui s'appelle ProRéno, à laquelle on a contribué et qui met à disposition tout un tas de documents, de vidéos, d'applications techniques pour les artisans. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. On a parlé de la formation. Et puis en dernier lieu, je citerai l'importance des réseaux localement où les entreprises et les architectes peuvent rencontrer leurs pairs, faire des visites de chantier, avoir énormément d'informations dans les centres de ressources. Et donc ces associations sont membres du réseau Bâtiment Durable que nous soutenons, qui sont présents sur le stand de l'ADEME. Donc je vous invite à venir les rencontrer ici. Thank you.